Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons déballer trois coffrets des poupées Art Generation. En commençant par cette belle poupée, en blouse de laboratoire ou en robe. Voici une petite brochure des poupées Art Generation avec différents coffrets. Certains qu'on a déjà vus. Et là, nous avons des poupées rétro, à la mode, athlétiques. On en verra certainement d'autres dans cette chaîne. Et là, vous voyez Raphaël, on l'a déjà rencontré. Allez, on la déballe. Donc la voici en dehors de la boîte, elle avait quelques accessoires, elle porte des lunettes, elle a de très très beaux cheveux, magnifique couleur, avec un petit serre-tête et de très beaux yeux aussi. Elle a une cravate, une blouse blanche qu'on peut lui retirer, une chemise rose en dessous et une jupe. Très pratique la cravate et voici ce qu'elle porte au pied. Et la voici de haut en bas. Dans le coffret, il y avait aussi cette jolie robe, ses chaussures, belle couleur et aussi ce collier avec la moitié d'un cœur car notre poupée a une sœur jumelle. Il y avait également un bêcher pour mesurer les liquides, une fiole, trois tubes à essai sur un portoir, 1, 2, 3, un microscope, on peut retirer la platine et la remettre et tourner les différents objectifs. Et il y a même une lumière, très réaliste. On peut même tourner les grosses vis pour faire descendre les objectifs. Et on voit bien la lumière quand on regarde à l'intérieur. Très beau microscope. Il y avait aussi ce livre avec l'histoire de Sia et Sabina, car ce sont des jumelles. En anglais, cette histoire. Et les voici toutes les deux. Et voici notre belle poupée Sia avec sa jolie robe. On va maintenant ouvrir le deuxième coffret pour la cérémonie de remise des diplômes. Voilà, j'ai tout sorti de la boîte. Donc nous avons un tube à diplôme pour enrouler le diplôme et le mettre dedans. On a bien sûr le diplôme qui s'appelle certificat d'achèvement en anglais et en français et le surnom c'est en fait le prénom. Voici le mortier ou la coiffe avec une frange. Il y a également des chaussures, une écharpe ou ceinture, une toge ou robe de diplômé à scratch derrière. Et voici notre poupée prête pour la remise des diplômes. Thank you.
Il est temps maintenant d'ouvrir le troisième et dernier coffret, le laboratoire de sciences. Voici au dos tout le contenu. Allez, on déballe tout ça. Donc là, j'ai tout sorti. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses. À commencer par un microscope, exactement comme l'autre, d'une couleur différente. Vous voyez, quand on change les objectifs, on voit la lumière. Il y a également des cahiers de chimie, de sciences, un livre de physique. Il y a un crayon et un feutre rouge. On a ici trois tubes à essai avec des produits de couleurs différentes sur un portoir, de la poudre de bicarbonate de sodium. On a une petite cuillère pour mesurer, du vinaigre, un compte-gouttes, du colorant, un bêcher pour mesurer les liquides, une fiole, des molécules avec de belles couleurs, des lunettes de protection, un bec benzène que l'on peut allumer et un ballon à fond plat que l'on peut mettre sur le bec benzène. Il y a aussi une paillasse, une table de laboratoire sur roue. On a également des gants de couleur verte, un tablier de couleur bleue. Et là, nous avons un squelette avec les pieds en métal pour supporter le squelette que l'on va tout de suite assembler. On va lui mettre sa mâchoire. On va ensuite mettre un bras, l'autre bras, puis un pied et l'autre pied. Et voilà, notre squelette est prêt. Le voici de haut en bas. Il y a aussi une table périodique des éléments, en anglais. Et voici notre jolie poupée Sia, en tenue de laboratoire avec son tablier, ses gants, un compte-gouttes à la main, et tout ce dont elle a besoin pour faire ses expériences chimiques. Mettez un like si vous avez bien aimé cette vidéo. On va revoir ces coffrets dans de prochaines vidéos. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.